Et bonjour les amis, on se retrouve ici donc encore avec Marv Midoban pour la continuité du Let's Play Final Fantasy X. Donc nous sommes plus où on en était, on va aller charger la partie Temple de Joss. Donc là on vient sûrement d'acquérir la nouvelle chimère Ixion. On est revenu, attendez, je vais récupérer vite fait avec le guide. Et donc là, faut aller voir. Alors, on va faire vite fait les sphériers déjà. Alors. Un petit peu de HP pour Tidus. Ça fait toujours plaisir. Loulou. Voilà. Ensuite, Auron. C'est vrai qu'il commence à taper un peu au rond là. Anu magique. Donc ça, ça sera pour faire descendre la magie d'un ennemi. Pratique aussi. Kimari. Bon, on a plusieurs chemins. Bon, de toute façon, on va passer à droite ici. Pour après repartir à gauche. Donc finalement, je voulais donc aller faire là-bas pour qu'il apprenne tout ce qui est volé. Mais je me rends compte que la personne qui fait ça arrive dans pas longtemps. Donc moi au final j'aurais bien aimé l'envoyer chez chez Auron. Tout simplement. Alors je cherche quel chemin pourrait l'emmener chez Auron. Donc si je vais ici, je pars chez Loulou. Ici je pars chez Waka. Et en allant chez Waka. Putain, comment je peux récupérer chez Auron avec Kimari? Je sais, je l'ai déjà fait pourtant. Auron il commence là. Bon. C'est compliqué tout ça. Donc si j'arrive là, ici. Ok. Donc faut que je passe là-haut. Faut que je passe par Chitius. J'aurai besoin d'une sphère clé niveau 2 dans l'histoire. J'en ai pas encore. D'ici là, j'en aurai peut-être. Après ça, on va continuer. On va continuer ici. De toute façon, on va finir tout son petit périmètre déjà. Voilà. Ensuite, Waka. Donc là on va pouvoir péter la sphère niveau 1 parce qu'il y a quelques casse force à récupérer. Pas des masses mais c'est toujours ça. Yuna. Et du coup, putain, je pourrais revenir pour péter la casse quand même. Je vais le faire. Voilà, ça fera un petit détour, c'est sûr. On perd un peu de temps mais j'en ai 8. On va en profiter. Bien, il y aura 400 HP à prendre ici quand même, c'est pas négligeable non plus. Voilà, pour l'instant c'est bon. Donc là on va aller rentrer dans le temple, on va aller chercher Yuna qui est en train de faire un gros dodo. On va lui faire comprendre que c'est pas le moment de faire dodo. Donc, on est dans cette déprête à la recherche de Yuna, il me semble qu'elle est dans ce côté là. Oh, c'est Gata ça. I'm going back to Beset. Yeah. Most of the other crew. I'll go soon. Ouais, mais bon. Moi là-bas, c'est toi qui devais mourir, mais je me suis trompé. Donc Yuna est là. She was working on healing the wounded. Okay. Ah. Morning. What? Morning? Don't worry. But it's morning. I'm so sorry. I'll get ready right away. Just a moment. Don't worry. It's okay.
Ouais, si t'as une phrase qui me fait rire, après vous allez voir. Oh, sleepyhead! Sorry, I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush. Here, your hair. A summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up. We called all that snoring. What is it today? Everyone's picking on me. Oh, you too, Sir Orin? Lady Yuna fixes her hair, we leave. Quelle bonne humeur, dites-moi. Il y a de la joie. I hadn't really laughed like that in a long time. It was only later that I the only one really laughing then. Eh oui. Laughing must have been the only thing keeping them going. Alors, on va vite se regarder vite fait. On peut... Ouais, pas se regarder, mais récupérer les petits HP que j'ai gagnés. Donc là, on va revenir. Normalement, on a 2-3 objets à récupérer. Ok, il a rien envie de me donner. Merci. On va regarder vite fait ce que ça donne, ça. C'est pour Kimari, normalement. Ah, attaque magique plus 20, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais non. Hop, et normalement, il me reste encore un mec qui donne des 10 potions. Voilà. Alors lui, en passant, c'est Kyo. Il est très bon. Il est très très bon pour les gardiens et la défense. Très très bon. Off so early? Lady Yuna, you must be exhausted after working so hard last night. Will you be okay? I feel that I have rested enough, but thank you for your kindness. Will you be Yes. First we cross the moon flow, and then we head north. Chocobo. Once we find chocobos, our mounted forces will ride. Huh? Aren't you? Captain! Wait for me! So long, we're leaving. You expect me to keep up with it? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Clasco, let's go. Ma'am. Hey, can I just rest a sec? No complaints. Hop, donc c'est parti. Donc en deux mots, on a eu notre prochaine destination qui est le Selenos. Alors là, est-ce que vous vous rappelez sur la route des Mycorox quand on a eu la baston là sur le... La baston pour... Contre signe sur l'opération Mienne. Donc là, on est parti vers le haut et je vous ai dit que vers le en bas à gauche sur la map, il y avait une case verte qui indiquait qu'il y avait une sortie, enfin un endroit où on pouvait aller. Donc là, cet endroit est ouvert maintenant. Mais le but, c'est en fait d'aller là-bas, c'est juste pour récupérer un coffre et après on peut revenir en arrière, Luca, Buzz 8 et tout ça. Mais le coffre, c'est pour avoir 4 défigeurs. Donc je vais m'abstenir de faire tout ce chemin pour juste 4 défigeurs. Mais au moins, vous le savez que si vous avez la foi, bah... Vous pouvez très bien retourner là-bas pour avoir 4 défigeurs en plus. We cross the moonflow. Gotcha. Moonflow baby, here we come. Alors, le Selenos. Donc là, suivez le chemin en direction du nord en récupérant au passage le contenu des coffres placés sur les côtés des routes. Deux d'entre eux renferment chacun 3 sphères clés niveau 1. Ok, donc on va prendre la map, surtout pour tous les coffres. Hop, donc il y en a un qui est d'entrée ici. Ah, d'abord une petite baston. Ah, super.
Malheureusement, la magie, tu peux pas l'esquiver. Alors, toi, tu te tais. Toi, tu te tais. Yuna va nous protéger. Ready. Kimari Waka le loup. Alors, Kimari Waka. Go, go, go. Et on finit avec loup. Oui, même les ennemis n'ont même pas encore les magies plus, donc on est bien, c'est vraiment pas mal. Voilà, 3 cercles niveau 1. Ici on voit Shinda, on va lui parler vite fait. Ok, vous pouvez tous apprendre une leçon. From what has happened to the Crusaders. Only the truly faithful have a hope of defeating sin. Hop, c'est reparti. Everyone, look sharp. Alors. Bon, ok, je pense qu'il est capable de le tuer aussi. Ouais, en effet. Ouais, c'est, j'ai mal joué. J'essaie de me faire toucher un peu. Pas bien grave. Donc, il reste Oron, Yuna, le loup. Et voilà. On va avancer. Prochain coffre. Là-bas, mais d'abord on va croiser des potes à Kimari là-bas. Yenke et Biran, je crois, de nous. Ah, ils vont arrêter de... Training, hein? Ça, ça va pouvoir mettre la bonne tactique en place. Que personne ne soit touché. Donc il reste Waka, Kimari, Loulou. Travail. Look, one of Kimari's friends. Look. What? Both follow summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! You come to insult Kimari? Wrong. For Kimari? Pitiful Kimari. Howl alone, howl alone. Do those two... What? They're... Kimari will deal with. And I'll help... Kimari alone. But... It's Kimari. Can't interfere. I'm worried. Let the Ronso deal with... That's how... I mean, I'm worried about... They aren't just disappearing into... Aliens to our job, no problem, right? Oh! Confident.
Yeah. Donc ouais, donc là on vient de voir qu'il y a des invoqueurs donc qui disparaissent apparemment, donc à part être sur ses gardes. Nous on va continuer notre chemin. Alors là par contre c'est un combat un peu plus différent. Parce que vous voyez il y a Oku et je crois que là il est à plus de 7000 HP, donc ouais 7200. C'est pas là on va le tuer en un coup. Mais bon je pense qu'avec Brasier Plus ça devrait aller assez vite. Ça, il a pas ses griffes empoisonnées donc franchement so who's next? Du gâteau au rond. Il doit rester Waka. Go, go, go. Yeah. Et après juste Yuna je crois. Kimari qui frappe fort. Demi-6, ça va aller très vite. Bon. Là par contre j'ai le poison, on va enlever ça vite fait. Est-ce que ça va nous faire un overkill ou pas tout ça? Parfait. Un gros combat comme ça, il gagne si peu, c'est embêtant mais bon. Ah ensuite, maxi potion, parfait, on va continuer, on va se faire vite fait quelques petits soins. Le prochain coffre il sera sur la droite. Ah ça se fait chier. On va aussi mettre le poison normalement. Alors on va éviter ces petits cons là. Et on va commencer à l'entamer. Ah. Voilà. Là, moi avec Mi 5, on est sûr qu'il est mort. Il reste au rond Yuna, je crois. Je crois que là il fout un... Ouais. Donc là on va rappeler notre petite Yuna. La loulou elle est un petit peu prise. Voilà. Et voilà, on n'en parle plus. Attendez, pour le coffre, que je me trompe pas, ça va être plus loin là-bas, dans le petit recoin ici. Ah bah ça faisait longtemps. Donc, Waka. No worry. Alors eux, normalement, ils font de la foudre, donc s'en protéger. Auront tu du Skimari. Skimari et Tidus. On va voir si avec un peu de chance j'arrive à le frapper Tidus. Oh, magnifique, avec un overkill.
C'est-à-dire que les niveaux, au moins, on en aura un paquet. Hein. Donc là-bas, vous voyez, on aperçoit Belchimine. Donc ça veut dire qu'il y aura un duel de chimères. Parfait, c'est celui qui va sortir. Waka, Lulu et Yuna. Ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir lui faire mal. Ah, j'adore quand il fait ça rond. Ah, c'est le dernier tour. Bon, il y a le poison. Ah bah, colère. Donc là, je vais vous montrer premier type de dé qu'on arrive à débloquer. Donc overdrive, Lulu. Type, donc la vengeance, donc chaque blessure qu'on lui inflige, et la colère, c'est à chaque fois qu'un allié subit des dégâts. Donc c'est pas mon préféré, donc pour l'instant j'ai laissé ça comme ça. Moi j'attends d'avoir celui qui s'appelle combativité. Donc ça sera à chaque fois qu'on fera des dégâts, donc ça sera beaucoup plus cool. Alors, Tidus. Hop. Hop. Anti-glace. Donc il doit nous rester les trois là. On renvoie Kalulu. Qui a plus que 64 là en MP, vivement qu'on trouve une source de regain de MP telle qu'une sphère de sauvegarde. Alors déjà on va arriver devant Belgemine. Donc duel des chimères, elle va invoquer Ixion, donc nous on fera appel à Ifrit. Ifrit il peut se soigner tout seul. Et là, étant donné que si par exemple il nous tue, on peut toujours invoquer notre deuxième chimère. I can help with that, if you like. I propose a contest course. Donc bien sûr, on va relever le défi. That's the spirit. I have... Moi t'inquiète, je m'en sers jamais de mes chimères moi. Donc là moi je vais profiter que j'ai l'overdrive de Yuna pour m'en servir. Parce que de toute façon je la ferai quasiment jamais là. Pour ça je n'ai pas de gros boss. Donc là on va la faire pour être sûr de s'assurer la victoire contre Belgemine. Donc souvenez-vous, l'overdrive de Yuna c'est Osmos et ça fait qu'on démarre avec Ifrit qui aura déjà sa... qui aura toute son overdrive. On va pouvoir tout de suite lancer l'overdrive de Ifrit. Je sais plus si j'ai mis en abrégé les invocations, je vais regarder après. En tout cas, c'est la première fois, on est obligé de l'avoir en entier. Une comédie, et derrière, je vais prendre 3 attaques. Donc là, dans la solution, ils disent que l'ennemi abandonne après avoir perdu environ 6000 HP.
encore à voir. Je sais pas comment je vais l'enlever là déjà. Alors désolé, je viens de me taper un. Je me tape un gros lag là sur le Jean Comedy Diffrit. Un lag sur la boule de feu, je sais pas pourquoi. Donc là on en avait que 3002. J'espère qu'on va pas mourir. Donc ce qui est bien avec Ifrit, faut pas oublier, c'est qu'il peut se soigner tout seul. Ah, du coup là c'est mes boosters, donc il va attaquer souvent. Là ça va être à nous, on va s'auto-soigner. On va voir combien on arrive à reprendre en se soignant. Ouais, pas des masses. Donc là il va attaquer deux fois. Donc là on va profiter pour relancer notre Divine Comédie. Et là si on le tue pas, bah on sera tué. Ou alors on appellera notre deuxième chimère, mais je pense que là ça devrait suffire. Donc Ixion, oui, c'est un de ses points forts, c'est qu'il est très très rapide. Voilà, le lag sur la boule de feu. En tout cas, le Frit physiquement, je le préfère dans Final Fantasy VIII, je sais pas si vous en rappelez. Overkill. Et voilà, on aura gagné ce combat de chimère, c'est parfait. Donc là on va gagner deux écailles de dragon. Après on va gagner le cœur d'invoker, ce qui va nous permettre d'apprendre des compétences à des chimères. Ça on verra plus tard, hein. J'ai pas trop envie, j'avoue, de m'enquiquiner dessus. On verra ça plus tard. Donc là vous explique le cœur d'invoker. Vous avez ta chimère, vous avez apprendre. Enfin, c'est pour apprendre tout type de trucs. Hein. D'où l'intérêt de voler beaucoup les ennemis. Vous voyez tout ce qui est boubombo, tout ça, c'est des trucs qui se volent aux ennemis. On pourra bientôt vous montrer. Donc là je passe vite parce que c'est pas. Bien compliqué. I look forward to meeting. Donc voilà. Lui, hein, il aura le poison, tant pis pour lui. Hop. On va éliminer vite fait le petit. On va se concentrer sur le gros, on enlève le poison de rond. Waka n'en a plus besoin. Bon, je crois qu'il est là à jouer, hein. Là, il doit rester Kimari Tidus. Là, c'est la prochaine à sortir. Pas de soucis pour le poison. Ah, combativité, ça c'est cool. Ça pourra aller un petit peu plus vite là maintenant. Les ordres de Tidus, que j'avais pas fait beaucoup quand même. J'ai hâte qu'il apprenne les autres. Kimari, j'ai pas trop envie qu'il prenne le poisson dans la gueule, donc on va mettre Tidus. Rapport aussi, hein, de toute façon. Oh. On va appeler notre petite Yuna. Je crois qu'elle a le poison, ouais, bon, c'est pas grave. On prend un petit peu de poison dans la tronche.
là. 124, toi tu vas attendre. Et finir le travail. Voilà. Du travail bien fait. Bal Venom, donc ça, on sait ce que ça l'avance. Donc voilà, Overdrive, Tidus, type, donc là, à chaque blessure affligée à un ennemi. Enfin, ça c'est le meilleur, hein, vu que c'est ce qu'on fait le plus souvent quand même. Ici, il y a encore un coffre. Encore un combat. Ah, Luna, plus rapide que Tidus. Non. Ah, je suis trompé d'ennemi. Alors, je crois que même si ça résiste à la magie, ça peut le tuer, je pense. En overkill en plus. Donc, Yuna qui marie au rond. Qui marie. Et au rond. Ça c'est fait. Allez, on continue notre chemin. On va aller sur le nord, à la rive sud. Est-ce qu'on va se taper un dernier combat? Non, c'est bon. Donc, pop, chimère, nanan, sur la rive sud. Vous arrivez près de... Ou si vous avez prêté de l'argent au cas, vous rencontrez à l'est du chemin. Le coffre situé à proximité contient deux queues de phénix. Alors ici, je crois qu'il n'y a pas de combat, il me semble. Donc là, on va avoir droit à un magnifique paysage, je vais vous laisser découvrir ça. Moi, je continue à lire vite fait ce qu'on va faire. This is the Moonflow. These are moon lilies. They say that clouds of pyreflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea! We're not waiting till nightfall. Ah. No. Then, once we beat Sin, we're coming back. C'est bizarre, hein, cette phrase, elle a lancé un gros blanc. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Bon, allez là. En mouvement. Hey, we better hurry or... Shoe puff? Ouais, si on veut. Si on veut. Allez, on va aller voir ça. C'est le bateau. Ça me fait penser aux olifants, moi, dans le Seigneur des Anneaux, personnellement. Un peu plus inoffensif, c'est sûr. Donc voilà sur quoi nous allons naviguer, le Chopouf. This is... Wow. All right. We bought... Ouais, on a des trucs à faire avant.
Alors ici, déjà deux Phoenix. Waka. Ah, on va regarder au cas où s'il n'y a pas de nouveaux trucs. On a la même. C'est pas mal. On va rester comme ça pour l'instant. Rive sud, là on arrive là. Alors attendez que je réfléchisse. Donc là, rive sud, ils disent. Donc là, il y a pas mal de marchands apparemment. Oui, donc ils ont un petit accent, les. Ces petits hommes bleus. This guy won't let our chook. Ah, it is kind of bit. It's just not. He died. So what? Hey, I didn't. It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Yes, Captain Sir. But that'll take. Where there's a wind. Oh boy. Le pauvre, lui, il est à pied tout le temps. Yeah. Il pourrait monter à plusieurs sur le chevaux quand même. Those words. I wonder how Captain. Alors là-bas, vous voyez un coffre. Un gros coffre. 5000 guilds, ça fait plaisir. Donc ici apparemment si on change de map et qu'on revient, il y a une marchande qui apparaît. Ouais, sauf que. Désolé. Alors. Je dis ça mais pas. Apparemment c'est assez cher. Attaque mort. Bah, j'aime bien ça quand même. Hein. Mais bon. Attaque poison ça sert à rien vu que j'attaque que par la magie. C'est vraiment que si j'attaque avec son. Avec son mog que je vais pouvoir mettre le poison, donc ça sert à rien. Ah c'est pas pourri mais je m'en sers pas. Donc après attends, il reste qui en. J'ai regardé qui reste en. En vendeur. De queue de phoenix. La femme qui se tient au niveau des marches. Elle je pense. Alors, on sait jamais. On va regarder ce que tu as. Ok. Défense mutisme, c'est bien. J'irai plus tard. Bon, en passant, allez, si allumé doit. Pour 2 mio, ça va payer 3008. On verra plus tard. On aura tellement mieux à apprendre plus tard. Donc pour l'instant, ça va. On va s'arrêter là. La suite, donc, ça sera dans un prochain épisode qui arrivera dans pas longtemps, je pense. Donc, j'espère que ça continue à vous plaire, les amis, que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos. Une petite sauvegarde. Hop, je vous dis donc à la prochaine sur le 2 de Chopouf. Merci, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.